Salut à tous, bienvenue. Alors, la dernière fois, on a vu comment fabriquer les empennages qui sont ici. Et aujourd'hui, on va s'atteler au fuselage que voici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Alors, on commence tout de suite avec ces magnifiques pièces découpées à la CNC. Alors, l'avantage de le faire avec une fraise, c'est qu'on n'a pas cette surface brûlée qu'on peut avoir avec un laser. L'inconvénient, c'est que le trait est un peu plus large que ce qu'on pourrait avoir avec un laser. Comme tout montage de ce type, on commence par une bonne séance de détourage. Le détourage est facilité parce que les pièces sont tenues par une simple petite languette de 2 mm de large. Le contreplaqué de peuplier permet de travailler avec un cutter. L'opération va donc relativement vite et très facile. À certains endroits, le cutter n'est même pas nécessaire et les pièces sont toutes seules. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un petit coup de ponçage sur les arêtes pour enlever les petites bavures et dans les encoches destinées à recevoir les planches, parce qu'une planchette de 3 mm, ben en général, ça fait 3,2, mais rarement 3 mm. Un petit montage à blanc pour se donner du courage. On réajuste encore avec un petit coup de lime et on vérifie qu'on peut bien insérer un morceau de 3 mm. On vérifie tout et on se rend compte qu'on a oublié quelques petites encoches. Et on ressort notre bon vieux matériel, à savoir une règle, un crayon et une scie à chantourner. Voilà, les nouvelles encoches sont tracées. Et c'est parti pour un petit coup de scie. Voilà, parfait. Une fois ce montage à blanc effectué, on se rend compte à quel point la structure va être rigide, malgré l'épaisseur du bois utilisé. Allez, on colle tout ça? Thank you.
Allez, on prend la clé d'aile. Parfait. Un petit coup de scie à dos pour monter tout ça. Et on colle le reste de la structure avec de la colle blanche. Et on finit par l'arrière. Avec cette méthode de construction, il n'y a vraiment aucun moyen de faire un fuselage tordu. Ce qui, dans mon cas, quand même, est un gros progrès, il faut bien le dire. Des suggestions, un commentaire? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Allez, c'est parti, on assemble la cloison moteur qui est également faite en contreplaqué et en trois épaisseurs de 3 mm. On colle les derniers renforts. Bien entendu, on maintient le tout avec des pinces à linge. Et on admire le travail. On a donc un fuselage bien droit qui recevra ensuite des baguettes pour faire joli parce qu'ils seront toilés en transparent. Mais déjà là, on a une structure qui est déjà bien rigide. Alors le fuselage va rester dans cet état-là pour le moment. Ce qui va me permettre de venir aligner mon aile sur cette surface ici qui est bien plane, j'aurai pas les couples dans les pattes. Le fuselage, je vais m'en servir lors du montage de l'aile pour vérifier les géométries, la triangulation entre la queue qui est ici et les saumons des ailes pour être sûr que tout est bien droit. Et ensuite, on viendra finir ce fuselage un peu plus tard. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et de liker, bien entendu. À la prochaine. Salut !